Chaque mercredi à 15h45 précise, Tristan part à pied au conservatoire pour son cours de guitare qui commence à 16h. Le cours dure une demi-heure. Donc, à 16h30, Tristan repart. Il fait un petit détour par Game Zone, le magasin de jeux vidéo, et ensuite il rentre chez lui. Et là, il se remet devant sa console. Donc tu as 3 super occasions pour aborder Tristan et lui parler. Mmh. Sur le chemin du conservatoire, à la sortie du cours de guitare et devant le magasin de jeux vidéo. Dis, si on remettait ça à demain, je me sens un peu vaseuse là. Non, la fuite n'est pas une solution. Peut-être, mais j'ai trop le trac. Te traquer alors, c'est pas grave, Cendrillon aussi avait le trac avant d'aller à la soirée du prince. Ouais, et du coup ça a mal tourné, elle a perdu sa pompe en cristal, le carrosse et tout quoi. Mais n'empêche qu'à la fin, le prince a fini par la retrouver. Allez, princesse, à toi de jouer. Mets ta robe de bal, allez, dépêche. Avec cette stratégie et cette robe, ça ne peut pas rater. Tu crois? Mais oui. À plus, maman. Oui, d'accord. À tout à l'heure. Bon, ça va? Tu te sens prête? C'est le grand jour. Alors, c'est qui la meilleure? C'est qui la plus belle? Et c'est qui la plus craquante? Ben... moi. Bingo! Allez, le voilà! Vas-y! Go, go, go! Allez! Et appelle-moi vite pour tout me raconter! Problème. Comment ça, il a pris le bus? Ok, t'énerve pas. Va au conservatoire à pied et attends tranquillement qu'il sorte. Comme ça, plus de problème. Ben justement si, il y a toujours un problème. Si je marche sous la pluie, ma robe va prendre l'eau et comme c'est de la laine, je vais ressembler en 2 secondes à une vieille méduse. Pas de panique, reste zen. Tu vas trouver une solution et surtout n'oublie pas. Qui c'est la meilleure, la plus belle, la plus craquante? Ouais, ouais. Ok, c'est moi. Hmm? Sur la porte, démarchage interdit. Vous savez pas lire? C'est moi, Madame Schurm, la locataire du 4e gauche. Ah, voilà, voilà, j'arrive. C'est pourquoi? Vous n'auriez pas la clé de mon voisin de palier, par hasard? Le gars avec le gilet en peau de chèvre? C'est du mouton, je crois. Mais oui, c'est ça. Il a oublié de fermer sa fenêtre et il pleut chez lui. Je n'ai pas sa clé, mais j'ai son numéro de téléphone portable. La version live de Rock on the Paddock du groupe punk Les Taches. Londres 1978, quand le chanteur s'est électrocuté avec sa guitare électrique, c'est ça? Non, Manchester 1979, quand il s'est jeté dans la foule et que personne l'a rattrapé. Son dernier concert, quoi. Je n'en suis pas sûr. Vous avez quoi sinon dans le genre violemment antisocial? Bonjour, c'est Richard. Vous pouvez me laisser un message après la petite bête? Richard, c'est ta voisine de palier. En fait, je t'appelle pour te dire qu'il y a une petite inondation chez toi. Rien de grave, tu sais. En tout cas, je gère le problème. À ton retour, tout sera rentré dans l'ordre. À tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est encore? Vous auriez un tournevis à me prêter?
Merci. Je perds tout le temps mes clés. Alors la serrurerie, je connais. À force de regarder les serrureries ouvrir ma porte, j'ai compris le truc. Vous allez voir, c'est simple. J'y suis presque encore un dernier petit tour et... Je ne voudrais pas faire ma concierge rabat-joie, mais maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? Vous auriez pas une échelle? L'ADN est une molécule que l'on trouve dans toutes les cellules vivantes. Même dans les saucisses? Oui, mon petit Helmut, même dans les saucisses. Encore raté? Pas de panique, on va trouver une solution, t'inquiète. Reste cool. Écoute, tu vas prendre un raccourci pour arriver avant lui à la boutique de jeux vidéo. Et tu l'attendras l'air de rien, d'accord? Donne-moi ta position, je vais te guider. Je suis au début de la rue Gainsbourg. Alors tu vas prendre la première à gauche. Le plus sûr moyen d'aller d'un point A à un point B, c'est la ligne droite. Ouais. Faites surtout bien attention de ne pas aller du point A au point rez-de-chaussée. Enfin, moi, ce que j'en dis, vous savez. Quoi? Non, c'est pas une crampe. J'ai le vertige. Au secours! Et voilà, continue tout droit et tu y arrives. Il est là. Allez, je te laisse. Je rentre à la maison, je vais vivre devant la télé sous une couverture et je mangerai des cookies jusqu'à la fin de mes jours. Quoi? Mais tu peux pas faire ça! Qui c'est la plus belle, la meilleure, la plus craquante? C'est pas moi! En fait, je t'appelle pour te dire qu'il y a une petite inondation chez toi. Rien de grave, tu sais. En tout cas, je gère le problème. À ton retour, tout sera rentré dans l'ordre. À tout à l'heure. Prépariez un numéro de cirque ou quoi? Oui, comme ça. Maintenant, vous pouvez retirer l'échelle. Dites, ça ne vous ennuierait pas d'enlever vos pieds de mon recueil de poèmes italiens? Je suis vraiment désolée. Je savais pas que j'avais le vertige comme ça. Et il ne faudra pas oublier de me rendre mon tournevis, hein? Je m'appelle Lou. J'habite juste là. Lou, super. Et moi, c'est... Tristan, je sais. Et t'habites là, non? Ben ouais. Restons pas là, viens. Elle est sympa, ta robe longue. C'est original. C'est vrai? T'aimes bien? C'est moi qui l'ai faite moi-même. Allez, à la prochaine. Tristan, attends, je... Ça te dirait un ciné, un de ces quatre? Ou autre chose? Enfin, ce que tu veux, quoi. Ben oui, pourquoi pas? Alors, on s'échange nos numéros? Lou, écoute, j'ai réfléchi à un autre plan. Plus la peine, ça y est.
voyait. Je lui ai parlé. Tu peux pas savoir ce que c'était, moi. C'était le moment le plus romantique de toute ma vie. Franchement, moi je dis merci la pluie. Salut, je voulais te dire pour ce qui s'est passé cet après-midi. Ah, tu veux parler de ton plancher inondé, de ton canapé bousillé, de l'urine de chat partout et des livres piétinés? Oui, mais je... Enfin, c'est moi qui... J'ai pas été très sympa quand je suis arrivé. T'as dû avoir drôlement peur sur ton échelle et je ne t'ai même pas dit merci. Pas un mot, rien et... Donc tu... Tu ne m'en veux pas? Bien sûr que non. J'aime bien bricoler. Je vais me refaire une porte, c'est pas un problème. Allez, salut. Alors? Alors, tout va bien. Et je crois que c'est le moment idéal pour une... Une danse de la joie!